Je suis un Algérien et fier de l'être. On va vous envoyer un discours dosé en politique. On va vous donner des leçons. Et on va donner les leçons. L'Ouled Sillel, l'Ouled Ouihya, l'Ouled Nidam, l'Ikaloua, l'Jamiat l'Europia, Bidraham Tachia. Wallah, nkhariwkoum siyasa, nkhariwkoum al-Nidam, nkhariwkoum din, nkhariwkoum tarbiya, nkhariwkoum hub al-Watan. ونخليكم حق الوطن. واش داروا ثاني؟ Ils ont essayé d'imposer un leadership politique artificiel, un leadership politique, un leadership économique artificiel, un leadership culturel artificiel, un leadership culturel artificiel. Le leadership politique artificiel, imaginez le décalage. Non pas simplement horaire, mais tout le décalage humain qu'il y a entre Aït Ahmed ou Sillel, qu'il y a entre Zirout Youssef ou Yahya, qu'il y a entre Ben Ramadan ou Gaït Salah, qui kayin binatoum ou binatna. Entre vous et nous, il y a un fleuve de sang à répliquer Aït Ahmed à Khalid Jassar. Khalid Jassar, il doit être en prison au même titre que Toufik, au même titre que tous les généraux. Je termine. Que tous les généraux. Le deuxième procédé qu'ils ont fait, le leadership économique. Tahkout, c'est un leadership économique. Le Tahkout, Haddad qui est analphabète quadrilingue. Il ne sait parler que la langue du vol, la langue du mensonge, la langue du détournement. Qu'il croupit en prison, mais avec la justice du peuple, non pas avec la justice de Gaït Salah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je termine sur ça. Après, je reviens dans la parole libre. Ils ont décidé de discréditer la politique et la politique. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec Dabab l'électronique? Ils lancent sur nous des mensonges. Ils lancent sur nous des dires. L'Iom min hadal manbar. Je le dis et je le revendique. Il faut tout de suite, arrêter les retraites. Arrêter les retraites de tous les présidents, de tous les minables ministres, de tous les sénateurs, de tout le monde. Arrêtez les retraites tout de suite. Arrêtez les salaires de tous les minables ministres, de tous les sénateurs, de tous les députés et de tous. Et avec cet argent, nous allons créer un fonds de solidarité citoyenne et on va rebâtir la nouvelle Algérie. Et qu'on a comme choulol, عندنا حلول. الحل الاول Gaït Salah. Gaït Salah. Gaït Salah. Gaït Salah. Bedoui, il est éphémère, insignifiant. C'est une quantité de chair et de os insignifiante qui a une destinée qu'on appelle la poubelle. Akhawani, akhawati, restons unis. Il faut rester unis, main dans la main, sur la lutte paye, la mobilisation. Quant à ceux qui nous envoient d'Alger, envoyez que vous voulez. Donnez-leur l'argent que vous voulez. Pour que je termine, n'goulhom haja. Ana fakir, oulid fakir, ana oulid chab. Je préfère être aimé par un pauvre du peuple que tous les riches réunis. Que tous les riches réunis. Donc, dis-le où est-ce que tu veux. تسوا معاهم ونكملوا النضال حتى تتلاحاو كاع. Donc on va continuer les prises de parole des membres du collectif Libérons l'Algérie. Donc je vais appeler Aril Aziane, qui est du MJC. Donc il va prendre la parole sur la thématique de l'implication des jeunes dans le mouvement. Ouais, 3 minutes. Ouais. Un.
C'est bon ? Alors, Azulf, là, on a tous. Bienvenue, mes chers frères, chères sœurs, de nouveau sur la place de la République. Donc, aujourd'hui, comme disait ma sœur derrière, la thématique que je vais essayer d'aborder, ou du moins le sujet sur lequel je vais parler, ça va être 3 minutes, c'est l'application de la jeunesse algérienne dans les mouvements contestataires et populaires tels qu'on voit en Algérie. Il faut savoir qu'un truc, c'est que la majorité de la jeunesse algérienne, 68% du moins, a moins de 35 ans. Donc il est évident que l'Algérie aujourd'hui, la démocratie ou du moins les institutions ou la sémantique, on ne pourra pas la mettre en place en fonctionnant avec d'anciennes thématiques, avec les vieux tout simplement. Voilà, l'ancien régime, on ne peut pas collaborer avec eux et on ne peut pas mettre en place des nouvelles bases démocratiquement bien construites pour pouvoir installer des vraies bases démocratiques en Algérie et arriver vers un processus constituant. Chose qu'on n'observe pas. Nous avons un gros problème, enfin, du moins à mon sens c'est un problème, c'est l'implication de la jeunesse algérienne dans les mouvements. Quand je dis implication, c'est pas uniquement et simplement participer en marche. Un mouvement contestataire révolutionnaire est de toutes parts, et l'histoire l'a prouvé, on ne peut pas uniquement se contenter de donner uniquement son point de vue ou participer à des marches démocratiques ou populaires. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est une implication personnelle. C'est-à-dire que c'est un travail au quotidien, au travail, à la maison, avec ses enfants et avec tout le monde. Pourquoi je dis ça? C'est que la génération, enfin cette nouvelle génération, ou du moins la génération de 90 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la génération qui n'a pas connu Bouteflika du tout, ou du moins qui a vécu très peu sous l'ère de Bouteflika, n'ont aucun lien avec les institutions algériennes politiquement parlant. Ce qui fait qu'ils sont tellement déconnectés, détachés de la réalité socialement parlant, qu'on ne pourra pas savoir, en fait, enfin, ils savent très peu de choses sur la vraie politique algérienne. Pourquoi tout ça, c'est voulu? C'est martyrisé. Donc il faut davantage d'implication de la jeunesse, et à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi en organisant des débats, soit à la maison, soit en participant à des cafés-débats, pour pouvoir apporter une vision jeune, démocratique, pour pouvoir installer justement cette base sémantique. Et à partir de ce moment-là, c'est en initiant tous nos efforts, parce que c'est très difficile, c'est un processus qui va être très long. L'Algérie, elle représente le monde, tant sur le plan culturel que sa diversité, et sur le plan religieux. Donc comparé à toutes les autres nations, l'Algérie, elle est unique, sur le plan démographique, culturel, religieux, et tout bord confondu. Donc on est vraiment un peuple très particulier. On est composé de différentes facettes et c'est difficile de pouvoir trouver un consensus. Donc il faut davantage donner la parole aux jeunes pour qu'on puisse vraiment arriver à un processus constituant et impliquer la jeunesse algérienne, car c'est l'avenir de l'Algérie, c'est eux qui vont construire l'Algérie. Barakallahu fikoum, et je vais laisser la parole à d'autres nouveaux amis. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum.